Ce que je peux dire, c'est que j'ai survolé un peu, en résumé, les 5 programmes. J'ai vu que certaines personnes ont pris en compte la question des femmes, comme on le dit, la prise en compte. Et il y a certains éléments spécifiques. Par exemple, je peux donner l'exemple de la question des femmes et, par exemple, la question des femmes et des enfants pour certains candidats qui ont, d'une manière explicite, un peu, d'une manière détaillée, si je parle de manière détaillée, cela veut dire qu'il y a d'autres questions qui sont beaucoup plus générales. Quand je parle de questions détaillées, c'est par rapport aux femmes qui vont à la retraite. Et quand ces femmes meurent, il n'y a pas de réversion, par exemple, de la passion à leur famille. Ça, quand même, c'est une question qui a été aussi posée par le caucus. Et on a appris que qu'un des candidats a pris ça en charge, à l'occurrence de Sonko, a pris ça en charge. Certaines questions qu'on a eu à soulever aussi, par rapport à la question des personnes vivant avec un handicap. Je parle comme ça au hasard. Il y a des éléments qui sont aussi dans le programme du président sortant, mais ce n'est pas d'une manière spécifique. Si je parle de spécificité des femmes, il fallait dire que voilà telle politique qu'on va mettre en place, voilà, on va prendre telle mesure par rapport à telle question. Mais il y a certains programmes, c'est vague. C'est vraiment général. C'est un fourre-tout. Quand vous dites qu'on va améliorer la santé de la mère et de l'enfant, il y a déjà des programmes qui existent. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre pour améliorer ce qui existe déjà? Donc nous, ce que nous voulons, quand on parle de la question des femmes, que ça soit d'une manière spécifique, que ça soit mesurable. Parce que si tu me dis que voilà, par rapport par exemple aux femmes transformatrices, comme il y a Idrissa qui a mis ça aussi en charge, qui a pris en charge, me dit que pour les femmes transformatrices, on va améliorer cela en mettant en place d'autres systèmes de valorisation de ces produits halieutiques. Là, au moins, on peut voir qu'est-ce qu'on peut mesurer. Par rapport par exemple à la santé de la mère, c'est sûr qu'il y a des politiques déjà qui sont là, comment on va le renforcer? Il s'agit tout juste, il y a des choses qui existent. Il ne faut pas dire que tout n'existe pas, mais comment on va l'améliorer en mettant d'une manière claire dans ces programmes, voilà tel indicateur qui va nous permettre d'ici, par exemple, 2 ans, on va recruter, ils ont dit qu'ils vont recruter 1000 sages-femmes dans la période, c'est d'ici 5 ans ou c'est d'ici 2 ans, les gens ont besoin de ces sages-femmes. Ces sages-femmes sont là, de même que les travailleurs sociaux. Et on n'a vu nulle part où on a indiqué cela. Et vous ne pouvez pas parler de la situation des femmes, des problèmes que vivent les femmes, sans qu'on mette en place, par exemple, qu'on recrute des travailleurs sociaux. Et ça, tous les 5 candidats sont passés à côté. Et je pense que c'est important de l'améliorer. Peut-être c'est un processus. Ils pourront l'améliorer. Celui qui va venir va pouvoir l'améliorer et éventuellement recruter des travailleurs sociaux. Parce que vous parlez de violence et de viol. Il y a un des candidats, par exemple, le PUR, qui en a parlé, mais d'une manière vague. C'est sûr, il y a la loi qui est là. Peut-être le problème, c'est le problème de mise en œuvre et le problème de dénonciation de la part des populations, mais déjà, il y a une loi qui existe bel et bien depuis 1999 qui punit les personnes. Mais moi, par rapport au travail que nous menons, les mariages précoces, on n'a pas mis, que, par rapport à la loi, qu'ils vont les 4-5 candidats, qu'ils vont aussi prendre en compte, surtout voter, qu'ils mettront tout en œuvre pour voter le code de l'enfant, pour améliorer la protection des enfants, que ce soit les enfants de la rue, les enfants talibés, les enfants qui subissent des violences sexuelles, des enfants qui sont mariés à 12 ans, 13 ans, 14 ans, on n'a rien harmonisé. Donc je pense que personne n'a parlé de cela, or c'est extrêmement important. Même dans certaines zones, même il y a des maisons de justice, mais dans les zones rurales, il n'y a absolument rien du tout. Et moi, je suis dans 35 communautés dans le cadre du travail que je mène. Si ton enfant est engrossé, on dit que c'est recherche de paternité. Tu ne sais même pas la personne qui refuse. Même comment on va chercher la paternité? On a parlé des enfants, reconnaissance de l'enfant, entre autres, mais d'une manière vague. Donc vraiment, c'est sûr que chaque personne a parlé des femmes. Mais on aimerait bien qu'il améliore un programme. Ça doit être spécifique et quelque chose qu'on peut d'ici dire que d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, qu'on peut mesurer. Et c'est ça qui manque dans le cadre de ces, dans le programme de ces candidats. Et quand ils parlent, c'est d'une manière comme si des promesses. Des promesses, c'est différent d'un programme qui est spécifique, qui est mesurable, qu'on peut toucher. Donc par rapport à la préoccupation des femmes aussi, on parle de financement. Il y a certaines personnes qui vont dire que c'est louable qu'on puisse fédérer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à gauche et à droite. Il faut
pouvoir fédérer parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des difficultés. On lutte contre la pauvreté, mais c'est comme si on crée aussi la pauvreté. Parce que des femmes qui prennent 50 000 francs ici, 100 000 francs ici, 200 000 francs ici, vont pouvoir combler l'autre côté. Tu vois? Donc, je pense qu'on doit systématiser cela et voir quel programme mettre en place, quelle politique vraiment fiable mettre en place pour encadrer un peu la lutte contre la pauvreté et éventuellement aussi le fait d'avoir des institutions qui donne de l'argent. Ça, il faut l'encadrer. Parce que je pense qu'on n'a pas encore... D'ici 20 ans, on va remettre à donner à des femmes 50 000 francs, 100 000 francs, 5 000, mais ça ne va pas résoudre le problème. Mais réellement, vraiment, ce n'est pas très précis par rapport à la question des femmes. Par rapport aux violences aussi que rencontrent les femmes, on parle de maisons de justice. C'est difficile peut-être dans notre concept de partir de dire qu'on va avoir des maisons pour recueillir des femmes victimes, mais qu'il y ait quand même des mécanismes pour que les gens puissent comprendre. Si tu es à Fongolemé, on te dit que la maison de justice est à Kolda, à Tambacounda, ou bien à... C'est difficile. Et par rapport au programme aussi, on peut parler, utiliser les langues locales, montrer ce qui existe pour que les femmes puissent utiliser ces moyens qui existent. Mais si on ne dit rien, c'est seules les femmes qui sont, par exemple, au niveau des grandes villes qui vont en bénéficier, mais les femmes du monde rural ne pourront pas en bénéficier. Donc, il faut renforcer cela dans le cadre de leur programme. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est adopter le code de l'enfant. C'est l'imposition, par exemple, pas l'imposition, mais surtout les femmes qui décèdent, qui ont travaillé toute leur vie et on ne reverse pas l'argent aux ayants droit. Je pense que ça, quand même, je peux le dire, c'est qualifié, c'est du vol. Donc il faut le faire, il faut donner ça aux femmes. Autre chose aussi, c'est par rapport au mariage précoce. Ce n'est pas précis, parce qu'il faut une loi qui est très précise. Jusqu'à présent, on n'a pas encore harmonisé. Il y a toujours le code de la famille qui dit que 16 ans. C'est sûr qu'on va, ils disent qu'ils vont le faire avec le code de l'enfant. Éventuellement, on a ratifié toutes les conventions qui disent que l'enfant, l'âge, c'est à 18 ans, donc il faut harmoniser. Et il faut aussi mettre en place des mécanismes de surveillance. Parce que même ils ont dit qu'ils ont mis des mécanismes de surveillance au niveau, par exemple, local, qui sont dirigés par des préfets. Mais vous voyez, il y a des mariages précoces qui sont en train de se passer et continuent. Et on a des chiffres. Même pas, je ne peux pas dire ici des chiffres, mais on a des cas qui nous viennent, par exemple, du terrain, où des enfants de 12 ans, de 13 ans, de 15 ans continuent à être mariés. Or, il y a ces mécanismes qui sont, cela veut dire que ces mécanismes, il n'y a pas encore, ce n'est pas encore huilé pour que les gens... Il y en a qui prennent en charge ces questions. Comment on appelle ça, des préfets qui arrêtent des mariages, qui cassent des mariages précoces, mais il y a d'autres qui ne le font pas, qui ne bougent pas. Donc il faut que tout le monde bouge pour que ça puisse vraiment, pour que la loi soit effective. Et éventuellement, sur les violences aussi basées sur les gens, il faut qu'il y ait aussi des mécanismes au niveau surtout local, au niveau surtout des collectivités locales et surtout au niveau des villages. Parce que ce qui manque, c'est au niveau du monde rural. Les gens là, il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Il y a aussi un point que je n'ai pas vu. C'est la question des femmes qui travaillent dans l'orpaillage traditionnel. Personne n'a parlé de cela. Et qui utilisent leurs ustensiles de cuisine et qui a un impact négatif sur leur santé. Ça, c'est un phénomène. Et les enfants qui quittent l'école, qui vont dans les djuras, c'est-à-dire les orpaillages traditionnels, personne n'a parlé de ça. Il faut mettre fin à cela. Donc, je n'ai vu nulle part les personnes qui ont parlé de ces orpaillages traditionnels. Et ce sont des enfants qui sont dans ces orpaillages, dans les villages, et qui quittent les écoles, et qui abandonnent les écoles.